Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça change un peu, je fais une carte. Et là je vous montre la vidéo puisque la carte est arrivée chez la copinette. Donc j'avais attendu pour... pardon, pour faire l'intro de ma vidéo et pour vous mettre en ligne cette vidéo. Puisque la personne qui a reçu la carte regarde la vidéo et aussi sur mon Facebook. Donc, je ne pouvais pas mettre la vidéo avant sur en ligne. Sinon, elle l'aurait vue. Voilà. Donc, ça aurait pu être marrant. Voilà, il n'y avait plus de surprise. Donc, ça y est, j'arrête pas d'avoir des chats dans la gorge en ce moment. Donc, la suite que vous allez voir de la vidéo, c'est la carte. Voilà, comment je vais faire la carte. Donc, j'utilise, comme d'habitude, les cartes 15-15 de chez Action. Différents papiers de couleurs. Différents dies. Je ne sais plus si j'ai utilisé du tamponnage quand j'ai fait la vidéo. Vous allez vous voir, mais bon, donc c'était une carte d'anniversaire, voilà, et puis voilà, c'est tout. Donc je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo pour la fabrication de cette carte. Allez, bon visionnage, bisous bisous. Aujourd'hui on va faire une carte, donc voilà la carte 15-15. Donc j'ai pris une carte irisée, beige, blanc cassé, beige, voilà, donc avec son enveloppe. Donc c'est des cartes Action, hein. J'ai pris également deux, j'en ai pris trois là, j'en ai pris un en trop. deux petites feuilles comme ça de cardstock, c'est celles qu'ils ont vendues comme ça, c'est du 15, alors si je ne me trompe pas c'est du 15-21, voilà. Donc j'ai pris une vert pastel et une rose comme ceci. J'ai pris une feuille noire comme ça, alors c'est du... Bien sûr, je l'ai rangé là. C'est du pollen, voilà, de Clairefontaine. C'est du 210 grammes. Un dice, comme ceci. Alors, tous les ronds sont attachés. C'est un dice que j'ai racheté à une copinette sur Facebook il n'y a pas longtemps. Voilà, qui l'avait en double. Et moi, j'en cherchais un. Donc, ça tombait bien. Voilà, donc on va commencer par le dies. Hop, on va prendre la Big Shot. Et on va couper, on va faire avec le dies, le papier vert et le papier rose. Et voilà. Bon, se sont détachés, mais c'est pas un problème. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de la Big Shot. On va la mettre sur le côté, le dies sur le côté. Alors, je voulais voir si j'avais une chute de papier. Alors, j'ai celle-là. Est-ce que ça va? Je regarde si ça va avec le papier. Non, je préférais peut-être du doré. Non, je vais utiliser en fond une dorée, comme ça. Coucou, vous me voyez? Donc, j'ai récupéré difficilement. Alors, parce que les dorés, je les utilisais beaucoup. De celui-là, hein, c'est les vieux blocs Mixed Media. Je ne sais même pas si on les trouve encore, ceux-là.
Donc, je vais la couper. Alors, comme c'est du 15-15, on va faire du 14,5. Alors, moi, je mets toujours en pupitre, comme ça. Comme ça, si la personne veut garder la carte debout sur son buffet. Voilà. Et il faut que je regarde une chose, donc avec le plus grand rond. Voilà, oui, c'est bon. Donc ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Allez, ici, on va couper, alors, du 13,5. Alors, si je fais 13,5, pareil, je vais d'abord vérifier avec le grand rond si ça va. Oui, c'est bon. Donc ça, ça viendra ici dessus. Alors, je suis en train de réfléchir à une chose. Est-ce que j'aurai un deuxième doré? Ce serait peut-être mieux. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de tout. Au lieu de mettre du vert. Mais des fois, je change hein, en cours de route. Ça, vous le savez, vous avez l'habitude avec moi. J'ai peut-être celui-là. Des fois, je change en cours de route. Je vois. Alors, je vais recouper les ronds. Comme je ne prépare jamais ce que je fais à l'avance, des fois, alors, pendant que je fais la carte ou autre chose, ben, je vois qu'il y a autre chose qui fera mieux. Qui sera plus joli, donc je change. Mais bon, les ronds que j'ai fait avant ne sont pas perdus. Hein. Okay. Bon, j'espère que je vais pas changer encore en cours de route. Hein. Mais bon, si je suis comme ça, j'y peux rien. Allez. Ouais, je trouve ça plus joli. Voilà. Bon, faut pas s'inquiéter avec moi. Hein. C'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait mes ronds dorés. maintenant. Alors, ici, il faut que je trouve le milieu. Pour pas faire de bêtises. Alors, je vais prendre ma règle, un petit crayon. Alors, noir sur noir, c'est super. Donc, alors, ça fait 18,5. 9 et 9, 18. Bah, attendez, je vais... C'est rien, je le ferai sur l'envers. Hop, voilà. Je regommerai. Je n'ai pas envie de me casser la tête à calculer. Voilà. Donc, maintenant, je vais gommer. Voilà. Comme ça, je n'ai gardé que mon milieu. Alors, est-ce que... Ah, voilà, vous voyez, ici.
Donc, avant, je vais faire mon rond. Un doré. Alors, que je remette tout bien. Tout s'est mélangé. Et les ronds qui va me rester, c'est rien, ça ira pour une autre carte. Hein. Faut pas. Voilà. Ensuite. Bien les remettre après hein. Parce que je vais les mettre dans le bon sens et on termine par un rose. Voilà ce que ça va donner. On va aller, allez bien, je vais les poser. On en prend une deuxième. Je remets à l'envers. Et voilà. Et là, maintenant, je vais bien les mettre. Ah, je vais bien les mettre. Oui, je bouge tout. Mais... Parce que maintenant... bouge plus, Edith. C'est là que ça se complique. Il ne faut pas bouger. Ah, j'ai dit il faut pas bouger. Là, petit ciseau. Si ça dépasse, on va corriger après. Hein. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est que je regarde si ça va. Non, ça va pas. Mince. Il y en a un qui a bougé. Alors on va les faire. C'est le dernier, ça va, c'est que le dernier qui a bougé. Voilà. Normalement, c'est bon. Et maintenant, je remets.
On pourrait coller hein, à la colle, mais... Voilà. Maintenant. Voilà. Bon, je vais couper ce qui dépasse. Hein. Voilà. Mon rond bicolore. Et donc les autres ronds, ben, je m'en servirai pour faire la même chose, mais du coup, ça commencera par un rose doré, doré. Voilà, ce sera le contraire. Et j'ai fait une, enfin, c'est pas une bêtise, mais j'aurais pu laisser mes traits et gommer après. Mais bon, c'est rien. On va bien appuyer pour que ça colle bien partout. Voilà. Mon vieux scalpel. Celui-là, il est vieux, il est tout mort. Il est... poser. Ouais, vous voyez, j'ai fait ma croix, mais elle me sert à rien. Donc, je fais normalement, je dois être bon. Voilà ce que ça donne. Bien pour que tous mes ronds collent bien. Et voilà. Donc après, ça viendra ici. Donc, on va mettre tous mes petits ronds de côté, mes petits papiers à la poubelle. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est le jour des poubelles, c'est bien, ça sortira, ça pourra partir. Donc ensuite, faire un joli dies. Alors joyeux anniversaire, je vais le mettre en avec un sticker, voilà, ils sont là juste devant moi, c'est bon. Et je voulais faire un joli dies. Joli dies. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, est-ce que celui-là... Je pense qu'il va être un peu trop long. Voyons. Ah non, il n'est pas trop long. Il est joli. Alors, est-ce qu'on le fait en doré? Oui, celui-là. Alors, je ne sais plus où je l'ai eu. Mystère et boule de gomme. Je ne sais plus. Alors, c'est bête, c'est que j'ai plus ce doré-là. Ah, peut-être dans mes chutes. Alors, mon bac à chute. Hop. Voilà, que je fasse une autre boîte. J'avais une autre boîte, mais Chouchou avait besoin d'une boîte. Donc j'ai vidé ma boîte à chute et j'ai tout mis dans une corbeille. Voilà, ma boîte à chute. Mais bah voilà ce que je voulais. Pile poil. Yes. Et du coup, ma boîte à chute, il n'y a plus. Donc, est-ce que...
On va prendre cette chute là. Hop, hop, hop. Allez. Donc je m'en suis encore jamais servi non plus ce dice. Donc on va voir ce qu'il donne. Bon, on va voir ce que ça donne. Et en plus, ça me plaît pas. Ça ressort pas. Ah zut! Passé 10 minutes à le faire et ça me plaît pas. Zut, zut, zut. Vous voyez, ça ressort pas, ça fait pas top. Bon. Sur le papier noir, il aurait été beau. Bon, il n'est pas perdu, hein. On va le garder. Et du coup, ça me dit qu'il faut que je mets autre chose. Bon, voilà, j'ai trouvé. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà passé à la Big Shot avec ce dies papillon. C'est ce que j'adore le plus, les papillons. Donc, c'est ce que j'aime le mieux travailler sur les cartes. Donc, voilà. Et petit papillon. Hop. Il reste encore des petites choses qui ne sont pas parties. On va les enlever tout de suite. Donc je les vois. Hop. C'est ce que je préfère en plus dans les cartes, le papillon. C'est ce qui fait plaisir le plus aussi. Voilà. Et avec mes deux dies étiquettes. La grande et une moyenne, j'ai découpé dans la grande une grande étiquette dorée et dans le noir la moyenne, la petite. Voilà, donc on est bon. Alors avant de faire tout ça, hop, on se fait de la place et on va coller nos fonds de cartes. En double face 3D. Voilà, et celui-là, on va le mettre aussi ici, et pareil, on va le faire en 3D. Voilà. Alors, je vais mettre mon joyeux anniversaire sur mon étiquette noire. Est-ce que j'ai mon... oui. Où est-il? Ah, si, il est là. Hop. Mon petit poinçon qui va bien. Voilà.
Ah. Voilà. Alors, je vais mettre, à la place de mettre des attaches parisiennes comme je fais d'habitude, je vais mettre des petites perles. Alors, je vais mettre des perles blanches. Je vais d'abord le coller sur ça en 3D. Je dis, je fais que des bêtises aujourd'hui. Voilà. Derrière tout de suite avant de mettre les perles. Et maintenant, je peux mettre mes perles. Je regarde où je mets mes papillons d'abord. Et maintenant les papillons. Voilà, il ira là. Donc pour les coller, oh là là, est-ce que j'espère que ça va bien coller avec celle-là. Non, je suis pas sûre. J'en ai mis trop. Voilà. Voilà. Le premier.
Le deuxième. Et le troisième, voilà. Alors on va leur mettre des petits ventres, alors en forme de cœur, oui. Et le dernier, un petit ventre aussi. C'est pas encore sec, hein, la colle, donc ça bouge encore un petit peu. Voilà. Et la petite finition. Voilà. Ah ben, c'est bien. En fin de compte, je préfère ça que les oiseaux. Vous voyez, les oiseaux, on les aurait pas tellement vus. Mais ça me servira pour une autre carte. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. J'espère que vous aimez bien. Enfin bon, même si vous aimez pas, bah tant pis. J'étais en train de regarder. Peut-être. J'aime bien fignoler, mais. Hop. Si ça passe. Oui, ça passe. Voilà. Donc voilà, ma petite carte du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour faire une carte. et puis nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous mets des photos de la carte à la fin de la vidéo. À bientôt, gros bisous. À bientôt.